Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme vous le constatez, c'est toute l'équipe Jésus revient qui est là. Et nous bénissons le Seigneur que nous venons de finir un moment de retraite. Et nous sommes venus chercher la face du Seigneur pour le consulter sur les projets du réveil. Et le Seigneur s'est puissamment manifesté. Alléluia! Alléluia. Amen. Et donc, comme nous vous avons déjà annoncé que le mois de décembre sera un mois d'intense activité spirituelle, effectivement, le Seigneur nous a donné toutes les orientations nécessaires pour vraiment conduire ce moment d'intense activité. Donc, nous avons l'honneur de vous annoncer depuis ici que le programme de 21 jours d'activité que nous vous avons annoncé démarre effectivement le 20 décembre prochain. Alléluia. Alléluia. Le 20 décembre prochain. Et c'est un programme qui est subdivisé par trois. Nous aurons d'abord 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne et prière. De jeûne simple et prière. Alléluia. Comme nous avons l'habitude d'organiser. Alléluia. Amen. Donc, le thème de ce programme de jeûne de 7 jours est intitulé « Seigneur, révèle-toi à cette génération. » Seigneur Jésus, révèle-toi à cette génération. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous a donné le livre de Daniel, chapitre 3, sur lequel nous allons travailler. Alléluia. Amen. Et dans ce programme de jeûne, vous savez déjà, le 24, ça fait déjà la veille de la fête du monde, la fête appelée Noël. Donc, c'est des moments que nous devons aussi évangéliser. Donc, le 24, nous avons un programme d'évangélisation ponctuelle. Donc, le 25, nous avons aussi un programme d'évangélisation, de sortie, d'évangélisation étant dans le jeûne. Alléluia. Donc, ce jeûne va finir le 26, le mardi 26, gloire à Jésus. Amen. Maintenant, après ce jeûne, le 27 démarre maintenant 7 jours d'évangélisation intense. Amen. Alléluia. Amen. 7 jours d'évangélisation intense. Donc, nous commençons ce programme d'évangélisation le 27 jusqu'au 2 ou 3. Alléluia. 2. Nous allons finir. Ça, c'est un programme que toutes les églises et cellules voilà. Jésus revient sur toute la terre, dans le monde entier, doivent participer. Nous invitons toutes les églises, cellules, même les petites cellules de maison, tout le monde doit prendre part à ce programme. Alléluia. Parce que le monde périt, le monde meurt et le Seigneur Jésus-Christ veut que nous faisons quelque chose pour sauver les âmes, surtout
dans cette période où l'iniquité envahit la terre, ce que nous, nous devons apporter, c'est réellement révéler Jésus-Christ à cette génération. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et après ce programme maintenant, il y aura un troisième 7 jours. Et ce troisième 7 jours, ça concerne exclusivement l'église et les églises et cellules du Bénin. Alléluia. Amen. Donc ce sera encore un programme, une période d'évangélisation dans le Bénin profond. Amen. Alléluia. Où nous devons évangéliser, nous devons sortir pour aller évangéliser, organiser des croisades. Et ça, ça concerne seulement les églises et cellules du Bénin. Alléluia. Amen. Maintenant, le programme finit normalement le 9. Les 21 jours finit normalement le 9. Maintenant, le 10 janvier, le Seigneur veut voir tout son peuple sur toute la terre, les genoux fléchis devant lui. Amen. Dans l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le 10 janvier est un jour d'adoration. Alléluia. Une journée complète d'adoration. De 9h à 20h, nous allons passer rien que le temps dans l'adoration. Donc, le Seigneur veut que tout son peuple participe à ce programme, à cette journée. Alléluia. D'adoration. Alléluia. Quelles que soient tes occupations, tu dois vraiment te consacrer pour cette journée d'adoration. Alléluia. Donc, nous invitons toutes les églises. Alléluia. Jésus revient sur toute la terre. Alléluia. De prendre vraiment au sérieux ce programme. Parce que le Seigneur veut encore impacter les vies. Le Seigneur veut encore impacter son peuple. Et cette fois-ci, le Seigneur ne veut pas seulement impacter son peuple, mais le Seigneur veut impacter aussi ceux qui sont en train de périr dans le monde, qui sont en train d'aller à la perdition, à la ruine de l'ennemi. Le Seigneur veut aussi que nous sortons pour évangéliser beaucoup, pour les amener dans son troupeau. Donc c'est ce programme que le Seigneur nous a révélé et nous bénissons son Saint-Nom. Bientôt vous aurez tous les détails, comment ça va se passer, comment ça va se conduire. On va partager sur les plateformes du groupe Jésus revient et vous aurez tous les détails. Alléluia. Je rappelle que cette journée d'adoration, nous invitons toutes les églises. Jésus revient sur toute la terre de consacrer cette journée. Donc vous allez vous réunir et vous allez vous connecter avec le programme depuis le Bénin. Et nous allons passer cette journée en adoration, rien que l'adoration en l'honneur du roi des rois. Et nous invitons aussi tous les chrétiens sur la terre, au Bénin là, tous les chrétiens sur le territoire béninois, nous les invitons que le 10 janvier, nous voulons donner cette journée pour Jésus. L'église Jésus revient se trouve à Dekoumbé, la cité Jésus revient. Vous prenez la route de Dekoumbé, vous passez par la voie qui part derrière l'usine d'engrais et vous prenez tout droit. Vous descendez sur les nouveaux pavés, vous montez sur le nouveau pavé, vous regardez environ 100 mètres devant vous. À votre gauche, au bord du pavé, vous allez voir l'affiche, la cité Jésus revient. Vous venez là, nous allons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Ce sera du boom. Alléluia. Que Jésus-Christ soit adoré par tous les genoux. Tous les genoux qui se croient chrétiens, qui se réclament chrétiens au Bénin, nous vous invitons aussi dans vos maisons, même dans vos églises. Nous voulons que cette journée, le 10 janvier, soit consacrée pour l'adoration du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable
Il revient.